Oui, le poste pour le sol, j'écoute. Ok, les opérations de départ sont-elles terminées? Affirmatif, toute opération de départ effectuée, prêt à lever l'avion. Dans le parc appliqué, on lève l'avion. Le décollage est avec l'atterrissage le moment le plus critique dans un vol. Les conditions par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans le cockpit, Olivier rappelle à ses copilotes les consignes en cas de problème. Je rappelle qu'en cas d'anomalie pendant le décollage, avant V1, j'annonce stop ou go. V1, c'est une vitesse d'environ 250 km/h, au-delà de laquelle cet énorme avion de 500 tonnes ne peut plus freiner sans risquer de sortir de la piste. Des questions ? Pas de questions. Take off. Manflex 46, SRS, Autostress Blue. V1. Regardez bien maintenant les mains du commandant. La droite ne bouge pas de sa cuisse. C'est avec sa seule main gauche qu'il actionne un joystick qui, d'un simple geste, fait se lever le plus gros porteur du monde. Je pensais que ça bougera un peu plus. Une demi-heure plus tard, l'A380 a atteint son altitude de croisière. Elle est de 35 000 pieds. C'est ainsi que l'on mesure dans l'aéronautique. 35 000 pieds, ça veut dire 10 700 mètres. Voilà. C'est notre première altitude parce que, au fur et à mesure du vol, l'avion va consommer du carburant, il va donc s'alléger et on trouvera une altitude un peu plus élevée qui sera plus optimale pour la consommation de carburant. Pour info, la température extérieure est de moins 60 à l'extérieur, heureusement que c'est chauffé. Mesdames, Messieurs, ici votre commandant de bord. Nous allons débuter notre descente d'ici un peu moins de 10 minutes. Il est un peu moins de 10 heures du matin à Tokyo, 2 heures du matin hors de Paris. Vérification de la porte posée. Mets à gauche, vérifie à droite. À peine les passagers ont-ils quitté l'avion que l'équipage doit déjà penser au vol retour. On arrive le matin ici, hein, c'est l'horaire qui veut ça. Donc, la journée n'est pas finie. Voilà. Chacun va à sa façon avoir à gérer son décalage horaire et essayer de s'organiser pour être en forme pour le retour. Ça va, là, pas trop fatigué? Non, ça va.